Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FC24 pour un nouveau build et cette fois j'ai choisi Cole Palmer. Donc voilà, j'avais déjà fait du coup comment faire son visage et c'est vrai qu'on m'a demandé en commentaire de faire un build à son effigie. Donc c'est chose faite. On va y aller directement les gars, mais juste avant n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner surtout. Et également activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et nous, on est parti. Donc, pour le poste, MD ou MG, c'est pareil. Mais voilà, c'est pour avoir certaines caractéristiques que je vais vous présenter. Ensuite, pour la taille, 1m88, c'est très grand. Au niveau du poids, on est à 67 kg. Donc voilà. On va partir du côté des styles de jeu. Donc je répète les gars, pour faire ce build, je me base aux vidéos que je trouve sur YouTube à ce sujet, à sa carte Ultimate Team. Là en l'occurrence, je crois que c'était une de ses meilleures cartes. Voilà, pas la Tots, mais celle juste avant. Et après, de ce que j'ai vu de lui sur le terrain. Donc voilà. Donc ce qu'il avait, c'était tir en finesse plus que j'ai remis. Donc c'est pour tout ce qui est enroulé et frappe en finesse. Foulée rapide, ça va vous permettre d'accélérer beaucoup plus vite directement en fait, dès que vous partez en vitesse. Ballon piqué, ça c'est pas mal pour tout ce qui est lob avec une plus grande précision. Passe longue, voilà pour du coup alimenter le jeu. Technique, donc ça c'est vous savez courir avec R1, je pense que maintenant ça se présente plus, mais voilà, il avait ça donc. Mettez-le, si vous savez bien l'utiliser, c'est vraiment très cool. On a également intuition pour faire des tirs et des passes pardon, fantasques avec une précision accrue. Et de moi-même, j'ai rajouté contrôle pour commettre moins d'erreurs dans la protection du ballon et partir en dribble plus rapidement avec une plus grande maîtrise, comme c'est marqué. Et enfin, les extérieurs du pied. Voilà, je pense que c'est assez cohérent avec ce qu'il fait et ce qu'il montre sur le terrain. Maintenant, du côté des attributs, on part avec la vitesse tout d'abord, on met tout et ça vous fait du coup 88 en accélération et 95 en vitesse. Ça se rapproche énormément de ce qu'il a sur sa carte, donc vraiment pas mal du tout pour un mec d'1m88 quand même. Au niveau des tirs, on a l'archétype sniper qui nous fait avoir du coup 86 en coup franc, 93 en puissance de frappe, c'est énorme, et 81 en penalty. De l'autre côté, on a deux tirs de loin pour avoir 86. Donc ça suffit largement. On a quatre finitions et notamment l'archétype finition. Et du coup, les 5 étoiles de geste technique, de mauvais pied, pardon. Les 5 étoiles de mauvais pied très important et qu'il a sur sa carte. Et du coup, ça vous fait avoir 86 en tir de loin, comme j'ai dit, 81 en volée et 91 en finition. Donc pas mal du tout. Maintenant, au niveau des passes. C'est vrai que ça aurait été bien d'en mettre un petit peu plus, mais c'était compliqué. J'avais pas plus de points que ça. J'ai préféré privilégier les dribbles, la vitesse et les pas et les tirs, pardon. Du coup, les passes, ils ont pris un petit coup, mais en vrai, franchement, vous inquiétez pas, vous n'allez pas en rater pour autant. Il y a de quoi faire. Donc 86 en passes courtes. On a 82 en vista et enfin 81 en passes longues. Donc très suffisant. Ne vous inquiétez pas. Voilà, il avait un peu plus sur sa carte FIFA, mais c'était compliqué d'en mettre plus. Enfin, sur sa carte EA, pardon, pas FIFA. Du coup, les dribbles, côté gauche, vous mettez tout. Ça vous fait avoir, avec l'archétype Maestro, normalement, 87 en agilité. Donc, très bien pour un grand gaillard comme vous. 91 en dribble. Et enfin, la quatrième étoile, deux gestes techniques. Voilà, il n'en aura pas 5, malheureusement. Mais c'est pas mal du tout déjà. Et côté droit, on a du coup l'archétype Lynx. N'oubliez pas d'appuyer bien deux fois ici. Et ça vous fait avoir 88 en équilibre et 88 en conduite de balle. Vraiment les stats en dribble. C'est magnifique. C'est tout au-dessus de 87. Donc il y a de quoi faire. Au niveau de la défense, rien. Et au niveau du physique, rien non plus, les gars. Voilà pour ce build qui est déjà fini. Je pense que vraiment. Ça peut envoyer du lourd sur le terrain. À vous de tester. N'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire et à me dire sur quel joueur vous aimeriez un build et je le ferai avec grand plaisir. J'essaierai en tout cas. Voilà, ça donne quoi? 87 de général. Je rappelle que c'est pas forcément que le général qui fait le bon joueur que vous êtes sur le terrain. Ne vous fiez pas
à ça, il faut juste avoir, comme je dis tout le temps, ce qu'il faut là où il faut, voilà. Donc 91 en vitesse, 87 en tir, 83 en passe, 89 en dribble, 67 en défense et 78 en physique. En vrai, c'est un milieu qui est assez bon partout, mis à part en défense, on va dire, mais sinon c'est très cohérent. Donc voilà, n'hésitez pas à tester ça, les gars. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis à la prochaine. Thank you.